Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, de retour à Death Stranding. Une petite partie, on est rendu à la sixième partie qu'on joue ce soir. Sûrement qu'en soirée, je vais faire une petite partie aussi de Battlefront 2 avec Whatever Puff. Mais j'avais pas envie d'attendre, ça fait que je me suis dit qu'on allait avancer un peu Death Stranding ensemble. Et puis, parce que je l'ai vu passer aujourd'hui sur la chaîne de PlayStation Access, qui est dans le fond la chaîne officielle de PlayStation au Royaume-Uni. Une équipe formidable. Si vous adorez les jeux vidéo et encore plus si vous jouez sur PlayStation, il faut absolument vous abonner à la chaîne de PS Access sur YouTube. Le contenu est tout simplement, c'est du bonbon à toutes les semaines. Et puis aujourd'hui, Death Stranding a figuré dans leur top 10. C'est un top 10 sans ordre de préférence. Bref, il était présent dans le top 10 des open world, donc des jeux ouverts là, dans lesquels on peut se promener beaucoup, surtout des jeux de rôle. Et puis il était dans la liste des 10 meilleurs jeux de rôle ouverts. Alors ça vaut la peine, ça m'a donné envie de continuer. Alors, on continue la petite histoire très complexe de Death Stranding immédiatement. Ouais, par rapport aux tips, aux conseils qu'ils viennent de nous donner à propos de pour ramper puis retenir notre souffle. Je dois avouer que normalement, les jeux d'infiltration, c'est assez dans ma branche. J'ai été un fan fini de la série Splinter Cell. Et puis, à chaque fois qu'on peut faire de l'infiltration, du stealth, comme on dit en anglais, je suis toujours très content, mais je dois avouer que dans ce jeu-là, j'ai un petit peu de difficulté. J'ai un petit peu de difficulté à caser ça dans tout l'univers. Autant que même les combats, on dirait que je me sens pas tellement impliqué dans un jeu où on peut se battre. Pour moi, un jeu où tu te bats, c'est The Witcher. T'as deux épées dans le dos, t'as une arbalète, puis tu peux te défendre avec des bombes. Pas loadé de colis avec un bébé sur le torse, disons. Qu'est-ce que j'ai sur le dos là? Ah oui, je viens de me souvenir, on était mort. J'ai juste de me souvenir de ça. Bon, ben, on va recycler ce qui n'est plus bon. Pas dans le bon menu, on n'est jamais dans le bon menu dans ce jeu-là. Bon. Ça nous fait plaisir. Excellent.
c'est vraiment triste d'avoir perdu notre moto. Je la trouvais très utile. On donne des likes toujours aux autres joueurs. Hey, j'aimerais ça en mettre un moi aussi. Ok. Ça c'est bien. Create a sign. Ah, that's it. Bon, là j'ai besoin de savoir si je traverse immédiatement la rivière. Est-ce que je suis déjà allé là? Je pense que le best, ce serait de traverser la rivière immédiatement. Ok. Malgré que... Bon, il y a un pont là-bas, alors... J'ai aucune envie d'aller là. Je pense qu'on va prendre le pont, c'est ce qu'il y a de plus logique. Là, je me suis aperçu que j'ai pas de grenade. Merci la personne d'avoir fait ça.
très beau. Ça, on peut pas dire le contraire, c'est un beau jeu. Oh. Comment je vais faire? Bon, je pense que le best. Je pense que le mieux c'est d'y aller à l'œil là. Je vois que tout droit il semble avoir une pente. Savez-vous le feeling que j'ai? Ce que ça a dû être. Quand vous regardez le Seigneur des Anneaux là. De partir sur une quête. Trouver. On... C'est pas expliqué. Ben, à certains moments dans les films c'est expliqué, mais. On voit qu'ils ont des difficultés à trouver leur chemin. Mais ça doit être une perpétuelle complication. J'ai pas lu les livres. J'ai bien essayé. Ben, j'ai lu les deux tours. Je n'ai jamais lu au complet la communauté de l'anneau. Là, on va mettre un signe de pluie ici. Ça, c'est pas bon, ça. La pluie détériore, c'est une espèce de version 10 sur 10 des pluies acides. Et là, je sens qu'en plus, il va y avoir des beach creatures. Et voilà. D'accord. Là, je suis totalement en terrain rocailleux, mais ce qui m'arrive, c'est que ici, où c'est plus plat, c'est plein de BT. Donc, si je peux, je vais continuer mon chemin au travers de la rocaille pour descendre ensuite ici. Thank you.
que je pourrais aller là? Je serais bien content de trouver une passe. Ok. Je vais essayer un petit quelque chose. Ok, ça fonctionne pas. Ici, la chute est trop abrupte, c'est clair. Bon. Pas rapport. Bon. Oh, cargo almost ruined. C'est le fun.
Ah oh, ben on arrive. Pas facile. Mais je dois honnêtement avouer que je sais pas si on va avoir d'autres outils. Là, je suis sûr que j'ai pas pris des grenades là. Si on va avoir d'autres façons d'éviter les passages comme ça laborieux parce que je dois avouer que je trouve ça absolument pas amusant. C'est le genre de choses que si j'allais lire sur internet, j'apprenais que ben c'est ça le jeu là, puis le but c'est de d'éviter ces passages là ou de simplement de passer au travers. Je pense que ça pourrait faire en sorte qu'on relèguerait ça aux tablettes. On pourrait en profiter pour sauvegarder. C'est pas le temps de tomber pour un petit caillou. Bon, ben on sait quand que les tunes moches embarquent qu'on est sur la bonne voie et qu'on n'aura pas de problème. Ça, c'est cool. Là, ça aurait été cool d'avoir la moto.
Donc ça, c'est la ville portuaire. Cool. Super bel endroit. Comme un peu isolé avec les montagnes. Il y a l'air d'avoir des... On peut-tu zoom? Il y a l'air d'avoir des embarcations. Ben ah oui. Les étages là qu'on voit là, waouh. Ouais. Je trouve que c'est la ville la plus cool qu'on a vue à date. Mériter une belle douche, une belle nuit de sommeil. Première tourne qui est, oui, qui est dépressive, mais qui l'est peut-être un peu moins. J'ai pour mon dire qu'on joue aux jeux vidéo pour un peu se changer les idées puis vivre une évasion. Alors, surtout que là, en temps de pandémie COVID, là... Mais bon. La gang à Kojima pouvait pas prévoir ça, hein? Fait que je chiale pour rien. Fort Knot City! 51 000 personnes! Ah, j'ai pas tout lu. Les véhicules, là, je serais curieux, moi, de savoir comment on fait pour les prendre. Parce qu'ils sont cool. Bon. Je pense que les X... ça veut dire qu'on peut pas prendre ça. Des fois, ils s'enfargent dans rien. Ça, c'est stupide. Je sais pas si tout le monde vit dans les sous-sols. Mais on voit jamais personne à l'extérieur. Ça doit être moche. Et là, la boîte est maganée, hein. Alors ça, c'est les remerciements qu'on a eus.
Parfait. Oui. Pourquoi wait? Bon, qu'est-ce que ceci? Mon échelle est quasiment finito. Une autre de... Ben, je vais les laisser terminer, leur blabla, leur sans fin. Là. Oui, absolument.
Cool. Voilà, je vais sûrement me faire parler pendant 40 heures encore. Ouais, c'est ça, la mission là, de reconnecter les États-Unis d'Amérique et tout ça. Je dois avouer que je suis même pas motivé par ça. Alors, voilà. J'ai comme zéro sympathie présentement pour le monde post-apocalyptique, tout ça. Puis je regarde ça, là. La pluie est dangereuse, il y a des créatures méchantes. Je me demande à quoi ça leur sert de vivre là-dedans. No monster. Les crabes! Crabes! Non, c'est qui cet enfoiré là? Politics, you see.
Yes. Bonjour, bonsoir. Salut. Je viens de tuer une grosse pieuvre là à Death Stranding. Oh, hein? Fait que je vais Avec finir. des petites grenades? Ouais. Je vais finir la cinématique, je vais aller sauvegarder. Ben, si tu veux continuer à ça, c'est chill aussi, hein? Non. Que je vais aller. Es-tu en train de regarder le Twitch? Non, je suis encore dans le menu de Battlefront. Ok. Bon, ben, je vais aller. Au lieu de continuer l'objectif, je vais aller dans ma chambre. Parce que là, en tuant la grosse pieuvre, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est transformée là, en espèce de métal doré là, qu'on ramasse. Là. Ok. Fait que là, je viens de tout ramasser ça. Je vais aller recycler ce qui est recyclable, puis je vais sauvegarder dans ma chambre, ça va être plus simple. Faire chauffer mon cité, ça va être difficile. D'accord. J'en viens. Take cases of war.
Thank you for your contribution.